Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Andreux. Bonjour Guillaume. Bonjour Geoffrey. Alors Guillaume, tu es coach et formateur en neurochangement, également en accomplissement personnel. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Alors, les habitudes, tu en as fait ta spécialité un petit peu, ça entre dans ton coaching. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce qu'est une habitude? D'où ça vient? D'où viennent nos habitudes? Oui, alors une habitude, moi je dirais que c'est un programme. Très bien. C'est quelque chose que l'on a, qui s'est programmé en nous, au travers de nos comportements, on va dire quotidiens, de nos façons de penser quotidiennement, de nos façons de réagir et de nous comporter donc quotidiennement. Alors l'idée, c'est que les habitudes, elles sont souvent faites pour, quelque part pour nous permettre de nous adapter à un environnement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans un environnement dans lequel on se sent bien, ou quand on met en place un certain nombre de comportements avec lesquels on se sent bien, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau va chercher à intégrer ces processus, les mettre en pilotage automatique, c'est ça, de façon à ce qu'on puisse quotidiennement faire procéder à un certain nombre d'actions, de choses à faire, sans avoir besoin d'y penser, sans avoir besoin de se concentrer dessus. Et comme ça, ça laisse plus d'espace à notre conscience pour pouvoir évoluer. Apprendre de nouvelles choses, évoluer, vivre des expériences quotidiennes et découvrir des nouvelles choses, etc. Ça laisse de l'espace, on va dire. Un petit peu comme dans un ordinateur, tu as tout ce qui est programmé dans le disque dur et puis tu as la mémoire vive. Et ça va te permettre d'ouvrir un certain nombre de logiciels dans la journée. Voilà. Donc les habitudes, c'est un système qui est naturel chez l'homme et qui permet, même chez les animaux en l'occurrence, et qui permet à un moment donné d'avoir des programmes automatiques qui nous permettent de pouvoir vivre notre quotidien sans se poser trop de questions et sans mettre trop d'énergie là-dedans. C'est ça, ok. Tout ça est géré par l'inconscient. Voilà. Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'on va souvent être conscient d'une nouvelle chose que l'on veut mettre en place. On va progressivement faire des nouvelles actions. Et puis petit à petit, à force de répéter ces nouvelles actions, au fur et à mesure du temps, ça va devenir un programme automatique qui va s'installer sur un plan inconscient. Et effectivement, ça va devenir un réflexe. Ça va passer, on va dire, du cerveau préfrontal au cerveau limbique et puis ensuite au cerveau reptilien, donc celui qui est responsable de la conscience de soi, de qui on est et de notre autobiographie, de qui on a été. Alors justement, tu parles un peu de neurosciences. Est-ce que tu pourrais en dire plus par rapport à comment les différentes parties de notre cerveau dont tu as parlé sont impliquées dans la création et la génération des habitudes? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a... On est dans des contextes de vie, dans des environnements où on va percevoir un certain nombre d'informations. D'accord ? Donc, il va y avoir tout un tas d'interactions avec l'environnement. Et à partir de là, on va mémoriser. Tu vois, par exemple, comme cette interaction qu'il y a tout de suite avec cette fameuse alarme des pompiers. Très bien, tu rebondis. Donc, très comment on fait pour intégrer ça dans notre expérience de la journée? C'était peut-être pas forcément prévu pour l'interview. Non, mais c'est donc très bon en exemple. Fait on a une partie de nous qui est en lien avec l'extérieur et qui s'adapte à l'environnement extérieur quotidien. Et puis à un moment donné, on va pouvoir raisonner là-dessus, on va pouvoir réfléchir cet environnement. C'est-à-dire c'est presque se créer, se modéliser une représentation de cet environnement à l'intérieur de notre cerveau, ce monde extérieur à l'intérieur de notre cerveau. Et puis à partir de là, on va expérimenter cette création virtuelle de notre tête. C'est on ça. Va ressentir des choses, on va vivre des expériences qui sont aussi d'ordre émotionnel par rapport à ça. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, cette façon qu'on a d'interpréter le monde qui nous entoure va générer en nous un certain nombre d'émotions. C'est-à-dire que ces émotions, elles sont destinées à nous mettre en mouvement. C'est-à-dire que je pense quelque chose, je ressens une pensée soit positive, soit négative à l'égard de cette chose que je perçois et de l'interprétation que j'en fais. D'accord. Soit une pensée positive ou négative. Et cette pensée, cette émotion, en réalité, c'est une traduction des signaux informatiques que j'ai traités dans mon cerveau, cerveau préfrontal, etc., le cortex, on va dire, le néocortex, et qui vont être transformés en chimie par le cerveau limbique, et qui va envoyer des tas de petits messagers chimiques dans mon corps de façon à ce que toutes mes hormones se mettent en route, que mes glandes, le cœur, les surrénales, enfin c'est un certain nombre de glandes qui se mettent à fonctionner de façon à sécréter une certaine chimie dans le corps. D'accord. Pour me mettre en action.
En fait, l'émotion, c'est ce qui précède l'action, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc, si je ressens une peur, je vais peut-être avoir envie de courir, de fuir. Si vraiment je ne peux pas fuir, je vais peut-être avoir envie de m'inhiber, c'est-à-dire de rester là, figé, de ne plus bouger. Et puis si je sens qu'il y a quelque chose qui me résiste et que j'ai envie de survivre et que j'ai envie de combattre, que je sens une limite face à moi, je vais peut-être avoir envie de me mettre en colère. Mais ça peut être aussi des émotions positives du type je vais avoir quelque chose qui m'attire, qui m'intéresse, et dans ce cas-là, je vais avoir envie d'aller plutôt à la rencontre de cette chose, etc. Et je vais sentir un élan, une envie d'aller à la rencontre de cette chose et d'en profiter, en quelque sorte, de me faire plaisir avec, voilà. De me satisfaire avec. Donc il y a de la chimie derrière tout ça. Ah, mais c'est sûr que... Et ça vient de la partie du cerveau limbique. Alors ça vient de la partie du cerveau limbique, mais ça vient pas que du cerveau limbique. Parce qu'en fait, notre cerveau, en fait, il est beaucoup plus complexe que ça. Notre système nerveux, il y a des neurones, effectivement, beaucoup de neurones dans le cerveau, mais il y en a aussi dans les yeux, par exemple. C'est-à-dire que nos yeux sont un prolongement de notre cerveau. Il y a des neurones dans la moelle épinière, il y a des neurones dans le cœur, dans les intestins. C'est-à-dire qu'on a des neurones un peu partout. Donc notre cerveau, c'est pas ça, c'est, on va dire, c'est le système nerveux central. C'est ça. C'est... Mais il est beaucoup plus vaste. En fait, on a d'autres cerveaux dans le corps qui prennent aussi des initiatives et qui sont aussi en lien avec ce cerveau là-haut, qui font passer des informations, par exemple émotionnelles, sur si je vis dans un contexte d'un coup j'ai une peur ou quelque chose. Souvent, mon cerveau là-haut, il réagit que après. C'est d'abord au niveau des sensations corporelles que je vais ressentir une émotion de peur. Et mon cerveau là-haut, il va analyser le truc en se disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette peur et comment on essaye de s'adapter à cette chose-là. D'accord, ça c'est le néocortex qui gère ça. Bah après oui, la réflexion va se faire avec... c'est la partie logique. Beaucoup plus complexe que ça parce qu'on ne peut pas... On peut pas diviser en trois parties. Alors les trois parties dont on parle, c'est... Ça c'est le modèle de MacLean, c'est-à-dire c'est le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Donc on aurait un néocortex qui serait... on a un néocortex qui serait plus... un cerveau qui nous permet de mettre en relation les différentes zones, de créer du lien entre différentes expériences visuelles, auditives, kinesthésiques, etc. C'est ça. On a un cerveau limbique qui, lui, est donc la partie qui est plus au centre du cerveau, ça, au milieu, au centre du cerveau, qui, lui, va traduire tout ça sous forme de sensations, d'émotions, etc. C'est la partie la plus chimique. C'est la partie, on va dire, où il y a l'hypothalamus, par exemple, qui est une sorte de mini-usine chimique qui crée ces relations entre des peptides, qui crée des neuropeptides, ces fameux messagers. C'est-à-dire qu'une neuropeptide, c'est un ensemble d'éléments chimiques qui vont, par exemple, correspondre à la colère, à l'émotion de la colère. Et puis, on a un autre un peu différent qui va correspondre à la joie, un autre un peu différent à la culpabilité, un autre un peu différent au dégoût. C'est ça. Et tout ça, ça va rentrer dans le système sanguin, dans le système lymphatique et tout ça. Et puis, ça va aller se mettre en résonance avec les cellules de notre corps qui vont, elles, réagir. Et se mettre, du mettre dans l'état d'être, qui va correspondre à la colère, à l'énervement, au bien-être, au plaisir, à la jouissance, etc. Alors le truc, c'est que ton corps s'habitue au bout d'un certain temps à une certaine chimie. Et il y a comme une notion, un effet d'accoutumance à cette chimie-là. Parce que le corps a besoin, à un moment donné, de sentir qu'il est adapté à un système, qu'il est adapté à un environnement, et de rester intègre et de rester équilibré dans cet environnement. Donc lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à préserver l'état dans lequel tu es. C'est ça. Alors que toi, ton néocortex, ta possibilité de réfléchir, ton envie d'évoluer, ton envie d'avancer, ton envie de faire de nouvelles choses, d'aller vers tes aspirations, etc., va te pousser à aller au-delà, à prendre des risques, et tu vas te retrouver dans l'incertitude, dans des zones d'incertitude. D'accord ? Et cette zone d'incertitude, elle va te faire peur, parce que tu vas anticiper des choses. Ah, t'es en dehors de ta zone de confort. T'es en dehors de ta zone de confort, voilà. Et voilà, tu vas être donc dans cette fameuse incertitude qui va faire que tu vas avoir le contrôle à tout prix de tout ce qui va pouvoir se passer dans ta vie, dans l'avenir, et qui va peut-être parfois t'empêcher de lâcher prise et de laisser tout simplement, de faire confiance à la vie, de faire confiance à toutes tes possibilités, à toutes tes ressources, pour arriver à aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Donc ces habitudes, elles ont une vocation positive à l'origine. Et parfois, une fois qu'on a intégré un schéma, comme fumer par exemple. Fumer au départ, j'apprends à fumer, je force la machine pour fumer. C'est ça, et t'imprimes cette habitude. Et ton corps, lui, imprime ça. Et ensuite, il se familiarise avec ça, il s'accoutume à ce mode de fonctionnement. Et lui, ensuite, quelque part, il ne veut plus, comme une partie de nous qui ne veut plus changer. Ça y est, ça c'est bon, c'est réglé, c'est programmé. Et maintenant, on fonctionne en pilote automatique. Donc c'est pas forcément simple de sortir de cette zone-là. Voilà. Si on ne sait pas comment piloter son cerveau et comment utiliser à bon escient son cerveau, c'est pour ça qu'il y a des techniques comme la PNL, comme l'hypnose, ou d'autres approches neurocognitives qui permettent de... les psychologiques qui permettent de changer ça. Alors justement,
comment on peut changer d'habitude, comment on peut transformer ses habitudes si on a certaines habitudes qui ne nous plaisent pas. Comment est-il possible justement de changer ce qui a été imprimé dans notre corps sous forme d'habitude? Alors déjà, c'est effectivement d'aller identifier cette fameuse chose qui nous pose problème, parce que des fois on a des choses qui nous posent problème mais on ne s'en rend pas compte. Mais quand on a vraiment identifié cette habitude qui nous gâche la vie, je dirais, l'idée c'est de... déjà d'aller chercher l'objectif, c'est-à-dire de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place de ça? Qu'est-ce que j'aimerais mettre à la place de ça? Comment j'aimerais me sentir? Par exemple, je fume, je ne me sens pas bien, j'ai peur d'avoir un cancer, j'ai peur de à un moment donné, j'ai envie d'arrêter de fumer. C'est pour atteindre quoi comme état? D'accord. Parce que le changement crée de la peur, hein, puisqu'il y a une incertitude de ne pas savoir exactement ce qui va se passer après pour moi. C'est ça. Pas prévoir les résultats. Donc c'est le système animal en nous, hein, qui se dit... Donc l'idée c'est que si la peur est plus forte que la motivation, tu vas rester bloqué dans ta peur. Si la motivation, si l'idéal que tu poursuis nourrit des valeurs importantes et que c'est suffisamment puissant pour toi, ça va te pousser à agir dans le bon sens pour changer. Mais tout commence par ce qui se passe dans ta tête, dans ce que tu penses, dans ce que tu imagines. Okay. C'est là que commence à se créer le changement. Le changement se crée quand tu dépasses cette réalité là, matérielle que tu vis maintenant, etc. Cette réalité temporelle, cette réalité dans laquelle tu es, où tu te dis je suis ça, j'ai été ça pendant des années, donc je suis toujours ça. Et que tu commences à imaginer un autre toi, quelqu'un qui peut. Un autre toi qui est toujours toi au fond, hein, mais qui est... gérer une mise à jour du toi d'origine. Comme tu as envie d'être. Avec d'autres possibilités. Voilà. Tu dis pas je suis comme ça, je vais rester comme ça pendant très longtemps. Tu te dis j'ai espoir que je puisse devenir telle personne avec telle capacité. Et c'est toi qui crée cette modélisation toi-même avec ton imagination. Exactement. Alors après, il y a des tas de protocoles qui existent, hein, en PNL. On a par exemple le protocole de l'objectif en 5 étapes. Où il y a plusieurs. On peut rajouter des étapes, il y a des exercices de préparation mentale. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler la représentation mentale. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines, les illusions que tu te fais, les films que tu te fais, et la réalité. Si on fait un scanner, un IRM, il va y avoir les mêmes schémas neuronaux, les mêmes choses, les mêmes zones qui vont s'activer, tout à fait. Et donc à partir de là, ça veut dire que si j'ai ces mêmes schémas neuronaux, si j'ai cette visualisation et très réaliste, mon corps va se mettre à se transformer, à créer la chimie interne, et à se transformer, et à me préparer à agir, à être prémoteur en quelque sorte, d'une façon différente. Le truc, c'est qu'il faut que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur cette visualisation, cette visualisation-là, elle soit porteuse de sentiments et d'émotions qui sont positifs pour moi et qui vont me faire du bien à l'avenir. Sinon, je ne vois pas pourquoi changer. Si c'est un « tu dois arrêter de fumer », ça ne fonctionnera pas suffisamment. Si c'est quand j'aurai arrêté de fumer, je serai libre, je respirerai librement, j'aurai plus de vitalité, j'aurai plus d'énergie, je sentirai moins mauvais. Et tout ça, ça me parle, ça correspond à ce qui est important pour moi. J'ai envie d'être cette personne vraiment, de devenir cette personne. À ce moment-là, le changement sera possible. Si je reprends, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience des mauvaises habitudes que tu souhaiterais changer. Ouais. La deuxième étape, c'est vraiment de visualiser. C'est de se dire qu'il est possible de changer. C'est-à-dire se dire, c'est pas parce que j'ai une mauvaise habitude et qu'elle est ancrée depuis des années que je vais pas pouvoir m'en débarrasser. C'est vraiment d'avoir confiance. C'est pour ça que moi, j'aborde vraiment le développement personnel avec cette notion de neuroscience. Je suis pas neuroscientifique à la base. Je suis plutôt neurocoach ou neuroformateur. C'est-à-dire que j'utilise les nouvelles connaissances des neurosciences plutôt pour les mettre en lien avec ces stratégies de changement et voir en quoi... Elles sont utiles, voilà, concrètement, parce que on peut vraiment changer les choses. Voilà. Moi, je suis le premier à avoir changé des tas de choses dans ma vie pour pouvoir faire le métier que je fais aujourd'hui. D'accord, je n'étais pas du tout parti pour faire ça au départ. Il a fallu dépasser de nombreuses peurs, de nombreuses limites, de nombreux blocages. Je pense que toi, c'est pareil. Tu as dû dépasser un certain nombre de blocages et changer des choses en toi. Ça n'empêche pas que tu es toujours toi, peut-être encore plus toi qu'avant, plus libre, plus dans plus aspirations, plus aligné, que voilà, tu veux faire de ta vie, plus centré. Donc l'idée c'est, j'observe le comportement qui me pose problème, qui m'éloigne de mon système de valeurs, qui m'éloigne de qui j'ai envie d'être. Et à partir de là, je crée la croyance qu'il est possible de changer quand même, quelque part, parce que si ce n'est pas la croyance que je peux changer, ben, ça va être compliqué. Et ensuite, j'imagine le résultat que je voudrais obtenir et quoi c'est important pour moi. Le fameux pourquoi dont parlent tous les coachs, c'est ça. Le pourquoi j'ai envie de changer. Et s'il est suffisamment puissant,
à un moment donné, il va me mettre dans une énergie interne, dans un état interne, dans une motivation qui va faire que je vais, même s'il y a des obstacles, que j'imaginais peut-être un peu compliqués à dépasser au départ, là je vais me dire ok, c'est un challenge, je vais y arriver et je vais aller au bout de la démarche. C'est ça. Et généralement, ça fonctionne. Très bien. Et la troisième étape, c'est justement de mettre en pratique, de mettre en action des techniques qui permettent de remplacer justement l'habitude que tu as par la nouvelle. Tu ne changes pas juste en te disant j'ai la volonté de changer. Ah bah voilà, maintenant je vais changer. Non. Il faut visualiser. Alors après, le changement, il peut se faire sans que tu aies forcément besoin de mettre en place des comportements complexes tous les jours, etc. C'est-à-dire, t'es pas forcément obligé, justement, c'est ça qui est magique dans le corps, c'est que d'imaginer avec beaucoup de précision ton changement va générer des changements physiologiques en toi et va même peut-être installer des nouveaux comportements automatiques sans que tu aies besoin par la phase comportementale, précisément, c'est-à-dire de mettre en place, de le faire tous les jours. Il peut y avoir un apprentissage qui se fait juste par la visualisation. D'accord. On peut sauter la case comportementale. C'est pas plus mal de la mettre, de l'insérer dans le processus. Ça renforce le changement. Ça renforce. Mais il y a des changements qui peuvent s'opérer et tu peux te retrouver du jour au lendemain à d'un coup avoir envie de changer des choses, à sentir que instinctivement tu vas te mettre à fonctionner différemment que tu le faisais d'habitude, juste parce que tu t'es tellement préparé dans ta tête, tu as tellement visualisé ça que ton corps prend ça pour acquis, que c'est presque rentré directement de. J'imagine ce que j'aimerais à le cerveau reptilien. Maintenant, je pense et je crois que je suis ça et que je suis cette personne qui fait ces choses-là. Très bien. Bon, ben super, merci pour tous ces éclaircissements sur les habitudes. Donc, tu nous en as dit beaucoup et puis tu as donné justement trois clés, les trois premières étapes pour pouvoir mettre en place et renouveler nos habitudes telles que l'on le souhaite réellement. Maintenant, tu es coach. De quelle façon tu peux apporter ton aide aux gens qui désirent changer leurs habitudes justement ? Déjà l'idée c'est de se voir en consultation individuelle pour déjà faire connaissance et savoir si on peut travailler ensemble. Très bien, donc tu es sur Lyon ? Moi je suis sur Lyon, ouais, je suis basé sur Lyon, à la limite de Lyon et d'Écully, la frontière entre les deux villes. Donc l'idée c'est des consultations individuelles qui permettent évidemment de faire connaissance et d'aller identifier quelle est la problématique de la personne. Ensuite, j'avoue que je fonctionne, alors j'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, puisque ça fait 15 ans que je m'intéresse au développement personnel, j'ai beaucoup lu sur beaucoup de sujets, j'ai acquis beaucoup de savoir, et puis ensuite j'ai fait aussi des formations de PNL, d'hypnose, de coaching, etc. Donc j'ai intégré un certain nombre d'outils, mais à un moment donné, moi ce qui se passe, c'est que je fonctionne beaucoup sur l'instinctif, beaucoup sur l'intuitif, c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça, je fais confiance à mon inconscient en fait, d'accord ? Comme le disait Milton Erickson, je fais beaucoup confiance à mon inconscient. J'ai beaucoup d'informations qui me viennent et je travaille toujours très différemment avec les gens. Ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi. C'est vraiment du sur-mesure. Je ne vais pas te dire, voilà, une séance chez moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est très variable. C'est variable en fonction de la personne que tu reçois. Et les changements peuvent être rapides. Parfois, j'ai des changements très rapides. Avant la fin de la séance, on a presque réglé le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il nous reste encore du temps. C'est pas grave, on discute. Ça, c'est super. Ça, c'est top. Ça arrive ponctuellement, c'est vrai. Mais par contre, il ne faut pas croire que c'est... automatique. C'est automatique, c'est pas forcément magique tout le temps parce qu'il y a des changements qui sont très profonds et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est l'accomplissement des gens, c'est-à-dire travailler vraiment sur l'identité, travailler sur la mission, travailler sur la vocation des personnes, sur qui ils ont envie de devenir et pour les leur accompagner. Donner de bonnes bases finalement. Pour qu'ils construisent qui ils sont, qu'ils revoient les fondations et qu'ils puissent derrière vraiment se réaligner avec eux-mêmes et aller de l'avant dans leur vie. Et c'est pour ça que c'est des processus là qui vont être plus longs quand même en termes de travail, donc il faut être conscient que. Ça se fait pas comme ça, forcément toujours dans la simplicité. Parfois, c'est même un peu remuant. Hein. Je veux dire, j'ai suffisamment eu ma dose de difficultés, de moments plus ou moins hauts, plus ou moins bas, dans ma propre évolution. Ouais. Donc, il faut être conscient que quand on veut changer, c'est un challenge. Quoi. C'est ça. À un moment donné, il faut savoir se challenger, il faut savoir se remettre en question, il faut se dire qu'il peut y avoir des moments un peu difficiles. C'est ça, ouais. Le truc, c'est que quand tu y arrives, il y a un plaisir, une jouissance, vraiment un sentiment d'accomplissement. Des déclics qui se font et qui sont merveilleux. Exactement. Un petit clin d'œil à l'association Les Déclics, d'ailleurs, qui est une association qui aide les jeunes justement à se développer. Mais il y a vraiment une vraie satisfaction et du coup, ça nourrit l'estime de soi. Là, les gens cherchent à savoir comment nourrir l'estime d'eux. C'est vraiment par le fait de faire des choses qui ont de la valeur pour soi, donc de répondre à son système de valeur, à ce qui est important. Et à partir de là, tu peux vraiment changer ta vie, pas forcément tout changer dans ta vie, mais en tout cas changer les choses qui te permettent d'être plus heureux et d'être dans le bien-être, parce que finalement c'est tout ce qu'on cherche, c'est ça. Très bien,
Bon, super Guillaume, je mettrai le lien de ton site internet sous cette vidéo. Ok, alors comme tu pourras mettre mon lien Facebook parce que je n'ai pas de site internet. Hein. Très bien, donc je suis le coach de l'ombre qui... qui est juste un profil Facebook aussi déjà. Voilà, qui fonctionne déjà... par bouche à oreille et autres. Mais je vais avoir un site internet qui va être mis en place bientôt. Très bien, on mettra dans un premier temps ton lien Facebook. La page Facebook, comme ça permet déjà de garder un lien avec les personnes. C'est ça, et puis si les personnes qui regardent cette vidéo sont intéressées pour te rencontrer, eh bien elles pourront se diriger vers toi. Voilà, okay. Pour que tu les aides. Eh bien, Guillaume, je te remercie pour merci Geoffrey. Toutes ces réponses. Et félicitations. Félicitations pour ce que tu fais, ce que tu entreprends. A priori, tu es en train de te lancer un petit peu dans ce métier de l'accompagnement et du coaching, de la confiance en soi, etc. Effectivement. Ouais. C'est aussi très courageux de faire ces interviews, je trouve. Je te remercie. D'aller de l'avant. Ouais. Je peux te dire qu'à 22 ans, ce qui me préoccupait, c'était plutôt les sorties, les copains, l'alcool, la fête. C'était toutes ces choses qui m'intéressaient. J'étais loin de ces considérations-là. Donc, c'est vraiment bien d'arriver à se. Voilà, être animé, à avoir une vision, à vouloir donner du sens à sa vie jeune. Bravo pour ça. Très bien. Bah, je te remercie, Guillaume. Merci de ton temps. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger à ce sujet. Et tu nous as donné de très, très bonnes réponses, très, très liées aux neurosciences. Donc, c'est un domaine qui est en développement. Donc, c'était bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça servira aux gens et que ils arriveront à changer des choses dans leur vie et à être plus heureux. J'espère aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Guillaume, et puis à très bientôt pour une nouvelle interview. À très bientôt.